Regarde, juste ma main. Puis tu vas fixer ma main et tes paupières. Tiens. La perception sans modifier à partir de l'instant, ton corps est complètement paralysé. Pour aboutir à ton réveil. Travaille. Bien là. Ça, on est bien quand on est en France. Hein. Mais tu sais quoi? Quand tu vas entendre la flûte magique, tu sais le. Tu vas t'endormir d'ailleurs. Alors c'est tout, c'est comme ça. Hein. On va être sympa. Quand tu vas entendre le bruit inverse, tu vas te réveiller. Ça fait un peu dessin animé. Bonjour, qui est avec En fait, je sais pas jouer de la flûte. Je sais jouer que ça, Raya. Concentre-toi sur ma voix. Tu dormiras. Mais au moins, les tours, tu travailleras une lecture. Des capacités extraordinaires. Raya, tiens là. Tiens là bien, hein, parce que moi, des fois, et en fait, ce qui me fait peur, des fois, j'ai peur que les gens se fassent mal. Non, là, tu la tiens pas, là, tu la vas se casser la gueule. Pause. Réveille-toi. Réveille-toi. Elle lui divine. Quelle couleur ils sont mes yeux? Hein? Bleu. C'est pas une crise, on pense à me traumatiser. Non. Non, il pas bleu, lui. Ah ben, lui divine. Ah oui. Tellement collé, tellement soudé, tellement scellé. Concentre-toi sur ma voix, rien que sur ma voix. Quand tu entendras le mot bonhomme de Noël, tu seras toute molle, toute mollasse, tu n'auras plus de force musculaire, tu t'effondreras, tu deviendras mollasse, toute molle comme une glace qui fond, comme une bougie sur un radiateur chaud qui fondra. Mon bonhomme de Noël, tu n'auras plus aucune force musculaire. Réveille-toi, réveille-toi. T'as déjà été au ski? Non. Banane de neige. Tu la prends toute même. Quand tu vas te réveiller, tu n'auras plus de bras dans ton esprit, tu n'auras plus de bras. Tu n'auras plus tes jambes. Mais tu auras le nid qui te gratte. Tu feras ce que tu veux, tu te grattes avec tes genoux. Mais ton nez te démange et tu n'as plus de bras dans ton esprit. Raconte-toi, vas-y, gratte-toi. Vas-y, gratte-toi, t'as tes genoux. Ah ouais. Alors la suggestion chez Ludivine, quelle est ta star? La vedette que tu aimerais rencontrer, à part moi. Eminem. Est-ce que je ressemble? Est-ce que je ressemble à Eminem? Non. Concentre-toi sur ma voix, À partir de maintenant, dans ton esprit, hypnotiseur que je suis, en plus, sans être ton esprit, je disparais de ton esprit, tu ne me vois plus, je n'existe plus. En revanche, quand tu verras simplement quelqu'un arriver de voir avec une cassette, ce sera une belette, tu prends ta belette, quoi? Travaille-toi maintenant! Attends! Ah, on m'a dit que t'étais là, vas-y! Ah, bon, je parle français. Ouais, il parle français. Hein?
Lâche pas mon gueule, wesh. Demain, y'a qui? Chante une chanson, n'importe quelle chanson. Tu vas chanter. Pierre de la Lune, Pierre de la Lune. Elle est pas bien parce qu'elle me voit. Vas-y, fais une photo. Fais une photo parce qu'il y a plein de photos que tu vas te dormir rapide. Mais non, le frère. En fait, elle est pas bien parce qu'elle voit sa vedette. Elle est toujours sur son âge. Peut-être au contraire, c'est une compagnie. À partir de maintenant, simplement, tes perceptions sont modifiées. Quand tu crois de 1, POW! Il est comme toi, il est très aussi. Il est très aussi. Je travaille au conscient. Séquence mardi, séquence féminine. Derrière. Pau. Lec. C'est mal. Hey, quand je vais te jeter une paire de lunettes, quand je vais te lancer une paire de lunettes, tu t'endormiras. Réveille-toi. Réveille-toi. Hop. Un chouette, Comédie Saint-Michel, pour ceux qui aiment l'hypnose. Ça... Merci. Ça fait plaisir. Je vais tous mettre en point. Elle est divine. Tu reviens conscient maintenant. Eh, j'ai disparu pour le coup. C'est encore paralysé, ça. Tu es où? Tu es dans le torse, tu ne montes juste plus, sauf ta tête. Quand il va tomber, tu vas t'endormir. Quand il va tomber, laisse-le tomber. Ça va? Oui. Tu t'appelles Timon? Oui. Non. Ça s'est battu. Elle est vraiment endormie. Mais non, je crois pas. Moi, je sais, ouais.